Mon nom est Christine Leroux. Je suis œnologue consultante dans la vallée de l'Okanagan depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai toujours vu mon père apprécier les vins et relativement jeune, j'ai commencé moi aussi à apprécier, déguster les vins. C'est en visitant des vineries en Californie que j'ai eu contact et j'ai appris au sujet de l'œnologie. Je faisais à l'époque mon bac en biologie à l'Université du Québec à Montréal. Et c'était pour moi une façon de combiner ce que j'aimais, ce qui me passionnait des vins, et la biologie. La dégustation commence par l'évaluation visuelle du vin. On observe la couleur. La couleur peut nous dire beaucoup, sur la qualité, peut nous dire beaucoup sur s'il y a des défauts, s'il y a des déviations. Ensuite, on évalue le vin au nez. Alors, c'est tous les arômes. Et le fait de tourner le verre libère, on a un contact plus accentué entre le vin et l'oxygène. Donc, on a une libération des arômes. Ensuite, quand on a fait l'évaluation de la couleur et du nez, on le prend en bouche. Et en bouche, on a une autre dimension, on a l'effet tactile. Pour moi, c'est devenu une passion. C'est comme avoir un nouveau bébé à chaque année. On recommence à zéro. C'est un produit qui est vivant, donc il y a des défis, mais c'est des défis que j'adore. L'industrie du vin est florissante en ce moment dans la vallée de l'Okanagan. C'est incroyable, toutes les nouvelles vineries qui ouvrent, les nouvelles plantations. Donc, c'est pas une industrie qui va s'éteindre sous peu. Donc, pour moi, c'est une façon de contribuer.